utiliser l'aile d'Astel. Et on va surtout utiliser ici la fiole de salut miraculeux en début de combat qui permet d'ignorer toute consommation de PC et d'accélérer temporairement la récupération d'endurance. Nous sommes donc ici et on va aller attaquer le dragon qui se trouve là-bas. Si on peut appeler de l'aide, on utilisera l'alarme imitatrice. Voilà. Alors nous voici arrivés ici. Hop. Et hop. Et on se dirige vers le dragon. Je ne sais pas s'il faut faire un peu de nettoyage avant ou pas. Ouais, toute une série de soldats ici. Et là, le dragon. Ben, le dragon les tue tous, donc le problème est résolu. Alors, on attaque le dragon. Pour ce faire, on va utiliser la fiole pour limiter nos points de PC. Alors, c'est parti. Compétence unique sous le dragon, c'est parti. Vous m'attraquez. Attention, il s'est enfoui. Ah oui, il y avait bien du feu. Ah oui, ça fait mal. Le feu, ça fait bobo. Hop, pareil, hein, vous allez en dessous de lui. Voilà, et c'est pareil. Hein. Vous m'attraquez, les ailes d'Astel. Vous m'attraquez. Toujours le but d'aller en dessous de lui. Attention ici. Vous évitez bien le feu. Alors il a réatterri. C'est le moment d'aller sous lui. Vous le scannez bien, enfin vous le visez bien. Vous allez en dessous de lui. Et attention, il redécolle. Et c'est maintenant. Attention au poison. Hein. Les ailes d'Astel. À fond, attention à l'attaque maintenant. Allez, c'est parti. On va quand même se soigner un petit coup par sécurité. On prend une petite potion par sécurité et on va le finir. Alors, on le fait à pied. Hein. En New Game plus 1, je précise, hein, toujours New Game plus 1. C'est parti. Hop, hop. Vous contournez les flammes, vous passez en dessous et c'est parti pour les ailes d'Astel. C'est très facile. Hop, et terminé. Le premier dragon n'est plus. On vient de tuer un ennemi majeur. Et voilà.